L'organisation de notre société fait que chaque individu ait une tenue liée à son service, à sa fonction ou à sa responsabilité. D'où on peut facilement différencier à partir de la tenue le médecin d'un avocat, le sapeur-pompier d'un militaire, les cuisiniers d'un policier. Et il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine quand même par son habit. Par quel habit peut-on reconnaître un chrétien ? Les lectures de ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous parlent du royaume des cieux sous forme de noces. D'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui nous montrent ce royaume des cieux utilisant l'image nuptiale pour faire référence à l'amour des dieux envers son peuple. Dans la première lecture, qui utilise un style purement apocalyptique, c'est-à-dire qui parle d'un monde qui désormais finit et annonce un nouveau monde, le prophète Isaïe peint le tableau de ces banquets que préparera le Seigneur, auxquels seront conviées toutes les nations. C'est dans un contexte de captivité qu'interviennent ces paroles du prophète pour redonner espoir à ce peuple qui a subi toutes sortes d'humiliations. Que ces belles paroles du prophète puissent nourrir notre espérance pour que nous puissions garder la foi même lorsque nous allons rencontrer des épreuves sur notre parcours. Et puisque l'espérance ne trompe jamais, comme nous le dit Romains chapitre 5, verset 5, ce jour-là nous dirons « Voici ce Dieu, voici notre Dieu, le Dieu en qui nous avons espéré et il nous a sauvés. » C'est lui le Seigneur notre Dieu, le bon berger, qui nous conduit sur des prés d'herbes fraîches et nous mène vers les eaux tranquilles comme nous l'avons entendu dans le psaume responsorial. Il nous assure la protection contre toute attaque et accompagne notre vie de la grâce et du bonheur pour que nous puissions vivre le reste de notre vie dans sa maison, ce royaume de gloire que l'évangile d'aujourd'hui décrit sous forme de noces. En effet, cette parabole résume toute l'histoire du salut. Dans un premier moment dans l'histoire du salut, Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, comme peuple privilégié à qui Dieu s'est révélé. Malheureusement, Israël s'est montré rebelle face à ses dieux pères qui s'est révélé à lui. Mais Dieu n'a pas cessé d'aimer ce peuple et de l'entourer de beaucoup de soins. Il lui a envoyé des rois, des juges et des prophètes. Malheureusement, ce peuple a continué de raidir sa nuque et n'a pas répondu favorablement à l'appel des dieux. Finalement, Dieu va se tourner vers les autres nations que nous sommes en nous envoyant son Fils unique Jésus-Christ pour que ceux qui l'auront reçu et ceux qui croiront en son nom reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. C'est l'image de ce roi qui envoie ses serviteurs aller aux croisées de chemin prendre des gens pour venir festoyer avec lui, étant donné que les premiers invités ont refusé de répondre à cette invitation. Mais curieusement, parmi ces invités pris ci et là en dernière minute, le roi reproche à l'un de n'avoir pas la tenue appropriée et on le met dehors. Chers frères et sœurs, la grâce du salut apporté par Jésus-Christ est offerte gratuitement à toutes les nations après que le peuple élu ait refusé et rejeté l'appel de Dieu. Mais cela exige de nous autres qui avons été appelés une réponse adéquate à cet appel amour de Dieu à travers nos œuvres, nos actes de tous les jours qui témoignent que nous sommes chrétiens, qui témoignent que nous sommes baptisés fils de Dieu, enfants de lumière. C'est cela, avoir la tenue appropriée pour les noces du royaume des cieux. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous exhorte à vivre dans la liberté des enfants de Dieu qui se traduit par un détachement vis-à-vis des biens de ce monde. Chers frères et sœurs, avoir un cœur détaché nous permet de ne toujours pas nous lamenter et pleurer lorsque nous vivons dans le manque et ne pas enfler d'orgueil lorsque nous vivons dans la possession et la profusion. Cela va aussi nous aider à ne pas nous accaparer de tous les biens de ce monde pendant que les autres vivent dans la misère et dans la pauvreté. Le contraire de la misère, disait l'abbé Pierre, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. Partager le peu que nous avons et surtout partager ce que nous sommes, c'est cela la tenue exigée pour participer au festin du royaume des cieux. C'est cela l'habit par lequel nous serons reconnus comme enfants de Dieu. En ce dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, implorons la grâce du Saint-Esprit de Dieu afin qu'il produise en nous des œuvres et des fruits dignes de notre identité chrétienne. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne méditation.